Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Vendredi, nous sommes le vendredi 14 mai 2021. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, dernier message pour moi, n'est-ce pas? Parce que ma semaine se termine le vendredi. Et nous allons commencer. Ne plus se mettre en colère jour après jour. Et aujourd'hui, j'ai pigé, je m'entraîne chaque jour à ne pas céder à la colère. Il suffit pour cela de visualiser une situation de conflit prévue ou hypothétique, n'est-ce pas? Et de s'imaginer en train de garder son sang-froid. De ne pas répondre aux provocations, d'exprimer son point de vue, et bien tout simplement, clairement et calmement. Aujourd'hui, j'ai pigé chandelle, illumination. Alors peut-être pour certains d'entre vous, on vous a demandé, il y a bien longtemps, quelque chose. Eh bien, soyez assurés que très bientôt, la réponse ou la solution que vous attendiez, elle sera mise en lumière. Vous avez trop souvent ignorer, eh bien, le guidage divin, c'est-à-dire en direct, en le confondant certainement avec vos propres pensées que vous avez alors analysées et repoussées dans le fond de votre esprit. Eh bien, à la place, il est temps que vous preniez conscience de vos capacités de claire connaissance, c'est-à-dire eh bien la clairvoyance en matière de connaissance, et que vous acceptiez que c'est ainsi que vous recevrez les messages provenant de l'esprit. En agissant de la sorte, vous serez capable de comprendre clairement vos prochaines actions, car vos idées apparaîtront telles des chandelles incandescentes, illuminant votre chemin. Vous pouvez avoir foi dans les messages que vous recevez. Il suffit de laisser votre lumière intérieure briller ardemment, car par ce biais, n'est-ce pas, vous illuminerez aussi le chemin que les autres sont censés suivre. Petite incantation. Comme je fixe des yeux la flamme, la défiance et toute culpabilité s'éloignent de mon âme. Grâce à cette lueur, eh bien maintenant je vois et je suis éblouie par ces réponses qui me sont révélés ainsi. Cette carte, elle vient vous dire que bientôt vous comprendrez une réponse à une question ou à un problème vous sera révélée. Prenez soin de ne pas ignorer vos idées et vos capacités psychiques. Ayez confiance. Ayez confiance en vous. C'est tellement important
que vous ayez confiance en vous. Prenez plus souvent le soleil pour mettre de la lumière. Ouvrez les rideaux et laissez la lumière pénétrer dans la pièce. Cette belle lumière brillante, cette belle lumière qui brille comme l'étoile que vous êtes. Quel beau message pour terminer cette semaine, n'est-ce pas? Je vous souhaite une lumineuse journée et un lumineux week-end. Un très joli week-end dans l'amour, l'abondance, la joie, le rire. Et tout, et tout, et tout. Je vous embrasse tout fort. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Non, pour une prochaine capsule. Excusez-moi. Pour une prochaine capsule. Eh bien, d'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Envoyez de l'amour, envoyez de la lumière. À tout bientôt.